Salut tout le monde, ici Doudou. Et on est dans Soma et on n'a toujours pas peur. Et on touche pas à ce genre de choses. Et visiblement, on a un scan cérébral fait en 2015, donc au début du jeu. Et on a un objectif. Qui est d'aller se foutre dans une espèce d'ordinateur artificiel pour s'envoyer dans l'espace. Spoiler, selon la loi universelle des scénarios, nous on va pas réussir. Ou l'autre simulation qu'on porte avec nous va pas réussir. Au revoir. Où on doit aller. On est bloqué. Par là, bon, il y a les monstres. Ça m'a l'air d'être par là. Hein. Et ah, d'accord. Bon, alors on va plus dans cette pièce. Très bien. J'ai compris. C'est qu'il y avait un espèce de robot là. Les machins qui sont là. Donnez-en moi. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose. On est là, très bien. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Bon, bah, j'imagine qu'on n'a pas le choix de toucher au bulbe. Bon, j'imagine, de toute façon, ça a attiré les monstres une seule fois, alors j'imagine que ça fait juste avancer l'histoire. Allez, mange-moi, saleté. Ouch, mes yeux. Ah, peut-être que je peux juste descendre en fait. Non. Non, ça a juste l'air d'être des lumières en fait. C'est de la merde.
Ah bah d'accord. Ah mais j'ai l'impression que ça me heal. Regardez, je vois de plus. Et je vois plus trouble. Oh. C'était donc à ça que ça servait. Est-ce que je suis censé ressortir et trouver une autre issue? Peut-être. Oui, on peut plus lui demander d'aide, bien sûr. Est-ce qu'on doit ressortir? Non, ça me paraît con quand même. Parce que, attendez, je vais vous montrer pourquoi ça m'a l'air con. On voit pas. Putain, on voit rien. Attendez, je vais fermer les volets, désolé. Ouais, voilà, on voit mieux. Désolé, hein. Putain, l'épisode devait pas être ultra intéressant, du coup. Parfait. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a la grosse salle. On est là. Theta Omicron Tau. Un, deux, trois. Un, deux, trois. D'accord, ça doit pas correspondre. Ah oui, même moi je vois mieux en fait. Mais alors comment j'ouvre cette porte là? Parce que c'est par là qu'il faut que j'aille, clairement. Je vais pas y aller à pied.
Par là, il n'y a rien. Par là non plus. On se croira dans un épisode de Doctor Who. D'accord, des pubs, mais je suis un robot. Bon, on va faire une ellipse, ça. Je vous retrouve tout de suite. Bon alors, faut ressortir de la station. Apparemment, une fois qu'on est sorti, c'est à droite. Donc on va ressortir, on va aller à droite. Ah c'est bon, c'est pas un robot. Qu'est-ce que ce truc? Bon, donc on peut pas le refermer, très bien. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Ça marche? Wow. Sorry, it's dead. Merde. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plane. I'll just save the security information and update the Omni tool. There. Should help you get around. Great.
Le Curie. Ça devait être un des espèces de vaisseaux ballon chelou là. Ok, ce truc est vivant. Tout ce qui est vivant est dangereux. Donc on s'en éloigne. On garde la lampe éteinte parce que ça sert à rien. Oups. Je ne le regarde pas. Ah ah! C'est ça le Curie? C'est un bateau? Vu le nombre de crabes qu'on voit, la vie elle va bien sur Terre par contre. Hein. Ça, c'est... J'aurai peut-être pas l'occasion de vous dire au revoir dans cet épisode, par manque de batterie, comme d'hab, quoi. Non, des fois c'est manque de mémoire, tu me diras. Non d'accord, c'était juste une épave de bateau. Ouais, mais il y avait de l'omnitool qui marchait. Ok, là je flippe. Ah! Bien joué. Non, depuis qu'on a repris, le jeu me fait beaucoup plus peur que jusque-là. Hein. Je suis vraiment en stress avec tous mes sens en éveil. Plein de rouge, ça veut dire une structure, très bien. Ah oui. J'ai bien compris que t'essayais de me faire peur le jeu, mais... Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une épave.
Alors je sais que d'habitude ça me fait flipper, mais comme là je suis dans un jeu et que ça veut dire quelque chose et pas le vide, bah je trouve ça plus rassurant qu'autre chose en fait. C'est marrant de voir comme un changement de perspective dans ce qui t'arrive peut changer la perception de ton environnement. Comment un truc extrêmement flippant peut devenir extrêmement rassurant. Et merde. Pourtant, les épaves avec des tuyaux dans tous les sens, c'est vraiment pas mon kiff, hein, mais. Mais là, pour le coup. Je commence à me détendre. Disons aussi qu'entre un grand gousier et les machins qui m'attaquent, je préfère affronter le grand gousier si tu veux. Ma souris. Sauvegarde. Ah! Double sauvegarde! Pue la merde! Au pire, on meurt. Ah, il est là, bonjour. Non, je te regarde pas. Ah, t'es baisé, tu peux rien faire. Hein. Ah bah si. Non, je suis pas là. Alors, je m'en vais. Je m'en vais. C'est quoi ce truc d'ailleurs, un plongeur fantôme? On va se soigner. Ouch. Oui, bien sûr. Bah oui. Oui, c'est un plongeur, hein, regardez. Il y a une combi et tout. Aïe. Il m'a chopé. Donc ça les attire vraiment en fait. Ah! Non, pas par là. Je me casse. Je me casse! Tu as beau être un monstre, tu es lent. Et moi je peux courir. Ah, donc tu ne peux rien faire contre moi. Quel dommage.
Et sinon, est-ce qu'il me poursuit ou est-ce qu'il se balade au pif? Voilà, problème, solution. Parce que théoriquement, il ne peut pas ouvrir les portes, si. Il est là. Ah oui, il est là. Ouais, bon, bah, vas-y, viens, de toute façon. Au point où j'en suis. Ah, mes yeux. Vous êtes morts. Bon, allez, c'est la fin de cet épisode. Je vous laisse là, on se retrouve dans le prochain. Salut.